J'aime bien sortir la lame comme ça, tu vois, qui me... Non mais dis pas des trucs comme ça. Mais j'aime bien, franchement. En tant que coiffeur, ça te fait plaisir d'entendre ça. D'entendre, j'aime bien sentir ta lame. Bien plaît pas, vous avez bien quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le cadre a un petit peu changé, tu le vois. La calva s'est assumée et je vous avais promis de ramener mon coiffeur pour qu'il puisse me raser le crâne en même temps que je joue. Mais je vous ai pas ramené n'importe quel coiffeur. Aujourd'hui, je vous ai ramené Clem. Salut Clem, ça va? Ça va et toi? Oui, voilà, ça va, super. Je vous ai ramené le premier coiffeur qui m'a rasé le crâne. Voilà, première fois que je me suis rasé le crâne, je suis allé dans son salon. Il se trouve que il me connaissait, hein, tant mieux. Et aujourd'hui, il va pouvoir témoigner d'un truc. Et Clem, j'ai besoin que tu me soutiennes sur ce coup. Et qu'on... je mets les points sur les i. Ici, là, c'est de la repousse. Elle est pas ici, la calvasse. Par contre... Un petit peu. Par contre, ici, là, donc je sais pas si vous voyez... Là, c'est de la calvasse. Donc, on s'est fixé un petit défi. On va essayer, vous voyez, de le réussir. Il va me raser le crâne. Il va pas falloir que je fasse des mouvements trop gros si j'ai envie que ça se passe bien. Tout en jouant. En plus, je serai sans son. Donc, ça va augmenter la difficulté du défi. À l'heure actuelle, je sais pas du tout si je vais faire une bonne game ou pas. Mais on est là pour du divertissement. On me rase le crâne. Je fais du gameplay. Et c'est parti. Il y a pas de souci, hein. Donc, on commence gentiment. Regarde, en plus, vacante. Comme ça, là, petit point stratégique sur vacante. Je vois qu'il y a des gens qui ont des chiens dans le lobby, ça c'est un mauvais signe. Franchement, si on m'avait dit un jour que sur YouTube, je proposerais comme divertissement le fait de me faire raser le crâne tout en jouant, j'y aurais pas trop cru. D'ailleurs, Clem, je tiens à le dire, hein, il vient ici la partie a déjà commencé. Il vient ici me raser le crâne gracieusement, mais je tiens à vous dire qu'il a un salon sur Lyon, donc il s'appelle comment, mon frérot, ton salon? Voilà, salon Kaiser qui est dans 78 Runet dans le 6ème. Je me permets de faire de la pub pour le frérot, donc n'hésitez pas, si des Lyonnais ont besoin d'aller se faire raser par Clem le Viril, vous pouvez foncer. Il s'occupera bien de votre crâne et de toute façon, vous allez avoir une démonstration de ses talents. Allez, tiens, on va essayer de gagner le point stratégique là parce qu'on est un peu en train de perdre. Je n'aime pas rejoindre des games pour être honnête. Mais... Il y a des moments, il n'y a pas trop de choix. Ok, je vais faire un kill avec la greu. On va rester allongé. Hop là, allez. Non, t'inquiète, pas de geste, Bruce. Donc là, il m'a dit, je te fais à la lame, parce qu'avec la tondeuse, ça risquait de faire beaucoup de bruit. Et il m'a dit, tu fais pas de geste bizarre. Donc là, il faut que je joue, tu vois, plus bas que d'habitude, sans son, et avec une lame sur le crâne. C'est une expérience extrêmement funky. Ok, eux, ils sont un peu au fond. On va essayer de pas trop, tu vois. Vous savez quoi, on va attendre comme ça. Je pense que c'est bien d'attendre comme ça. Là, si t'attends comme ça, ils vont arriver tout droit. Et pendant ce temps-là, voilà. Petit drone. Si je sors un ADAV. Genre ma dernière vidéo, je voulais sortir un ADAV, une série de 8, je l'ai fait dans les meilleures conditions, mais à la dernière seconde. Si, j'ai record. Genre j'ai record, mais je l'ai sorti à toute fin, tu vois. Je l'ai sorti à toute fin. Hop là, série de 5. Let's go. Si je le sors maintenant alors que t'es en train de me raser le crâne sans son, sans rien, c'est grâce à toi. Franchement, je peux dire que ton influence est énorme. Ton influence sur moi est dantesque. Il y a quelqu'un ici, là. Hop. Donc j'avoue que je me suis pas trop intéressé au point, là. Attends, on va aller regarder dans le couloir. Personne. Il y a quelqu'un au fond. Ok, le point est au centre. Aïe 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 aïe, 130. La game est serrée, mon frérot. La game est serrée. Je suis coincé entre jouer l'objectif et jouer la série. Tu penses jouer l'objectif ou ma série? C'est toi qui décides. Série 6. Joue ma série? Ok. Je vais tenter la dave. Ok, bah bon. Oh non! Il campait dans un coin, regardez-le! Mais regarde ce sagouin, gros! Il y a 30 secondes, t'as dit je... Bah ouais, je sais. Tu relèves mon hypocrisie, tu as raison. On n'est pas bien des hypocrites comme Zach. C'est vrai qu'à 30 secondes, c'est moi qui campais, mais bon, j'avais pas mis une clé mort. J'ai au moins cette fierté-là, tu vois. Ok, il y a des gens dans ce couloir. Pas trop que tu me caches la vie, si possible. Hop là, un petit kill. Moi déjà j'essaye de faire un bon gameplay dans ces conditions, c'est pas facile tu vois. Et toi t'essayes de me raser dans ces conditions effectivement. Non, je suis pas trop sûr qu'on ait d'avoir envie d'échanger là, je te cache pas que je pense que je suis dans la bonne condition là. Le pire c'est que je suis sûr que le gros gogol là, il est encore dans son coin à gauche. Regardez au-dessus là, il a un avion personnalisé là. Aïe aïe. Ok, je l'ai tué lui, j'ai tué son allié. Et juste après là, je saute et je regarde à gauche, vous allez voir. Aïe 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 quand je passe la lame frère. Non, t'inquiète, j'ai pas mal. Oh le mongolo, il y a encore. Oh il est mort, ça y est, je l'ai tué. J'ai tué le mongolo. Qui campait dans le coin, qui y était encore. Le mec était encore dans le même coin. Bah ouais, c'est vrai que c'est Call of Duty. Il est vrai qu'il y a des risques. C'est bien, tu connais ton sujet. Hop là, encore un nouveau kill, série de 5. Série de 5 à nouveau Clem. Série de 5, on est bien. J'avoue que là, on attend un peu. Je l'avoue. Ce serait une petite bite, je dois dire que je n'attends pas. C'est V12 ça. C'est monsieur le V12. C'est bien. J'aime bien Clem, tu as tes références au point.
C'est le frérot, c'est le frérot qui arrive. Hop là, série de 6. Série de 7, série de 7. Un kill. Non ! Il m'a sauté dessus et j'avais pas de son ! Je suis mort à une série de 7, j'ai envie de caler ! I wanna fucking die ! J'allais avoir un head-up dans des conditions dantesques ! Oh, dommage. Hop là, encore un kill, super, ça se passe bien. En plus, on joue MP7, on joue agressif. Enfin, combien de temps, hein ? Pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup de ouf. Ça, ça va, t'avances bien ? Les travaux sont en train d'être faits. Oui, oui. Franchement, je bouge pas trop, là, ça va ? Sur la finie. Non. Super, super, super. Je suis content, mec. Moi, pour être honnête, je prends un bon gameplay, là, donc... je suis content, sachant que... j'ai eu qu'une game d'échauffe aujourd'hui, c'est... I am very heureux. Hop là, pète ton duel, toi. Il m'a défoncé. Là, il vient de me défoncer. Là, c'est-à-dire que je suis sa bitch. On va bientôt finir la game, là. Pour être honnête, j'ai rejoint une game qui avait déjà commencé, ce que j'étais en train de dire. Mais quand j'avais rejoint, il y avait égalité. Là, on va gagner, mais on va gagner en bonne partie grâce à Zach, tu vois. Regarde, là, je vais dans le point. Non, mais tu sais quoi, fuck. Je vais même pas dans le point. Je fais le mec arrogant. Je fais le mec qui va rechercher, tu vois, des kills supplémentaires. Wouhou ! Game gagnée ! Victoire. Victoire, les amis. On est bien, on est bien. 17 kills. Mais je pense que je suis pas mort des masses deux fois, vous voyez, avec les séries que j'ai fait. Donc franchement, c'est assez cool, je suis content. Je suis content, regardez quand encore quelqu'un qui joue au R700 très cheaté. Au très très cheaté R700. Ah bah, superbe action de la partie, là, je suis pas déçu. Hein. 17-5. 17-5, Clem. Franchement. Je trouve que le contrat est rempli de mon côté. Alors, est-ce que ça avance bien? Oh, regardez ce crâne viril qui est en train d'être fait. D'ailleurs, je tiens à passer un message, hein, surtout à mon frérot Gigi. N'hésitez pas, quand vous êtes dans des états de calve très très avancés comme lui, à tout raser. En plus, je rigole parce qu'il a dit qu'il voulait pas qu'on force sur sa calve, donc je vais pas faire trop le forceur non plus. Mais sans déconner, pas hésiter à vous raser le crâne parce que c'est quelque chose qui vous rend encore plus viril, tu vois. Mais après, ça, c'est facile de dire quand t'as plus de cheveux, alors que vous avez des beaux cheveux bien soyeux et vous vivez pas ma situation. Tu t'es déjà rasé le crâne, toi, Clem ? T'es déjà rasé le crâne ? Confinement, tu t'es rasé le crâne ? T'es parti en couille ? T'étais bien lisse ? Ah ouais. Et t'as kiffé ou pas ? Bah non. Non, t'avais pas kiffé ? Merde, il est en train de me contredire. On a le temps pour une autre game, tu penses ? Bien sûr. Super. J'aime bien sortir la lame comme ça, tu vois, qui me... Non, mais dis pas des trucs comme ça. J'aime bien, franchement. En tant que coiffeur, ça te fait plaisir d'entendre ça. T'entends, j'aime bien sentir ta lame. Non, je pensais que ça te ferait plaisir. Let's go ! C'est parti, deuxième gameplay. Nous sommes sur une autre map, donc je vais me permettre de prendre une arme un poil plus long range, mais qui ne sera pas l'AS Val, l'horrible AS Val, hop. Aujourd'hui, juste avant d'être avec toi, Clem, je vais donner une conférence au Gaming Campus à Lyon. C'est une école, justement, un petit peu, tu sais, commerce, gaming, tout ça, machin, etc. Donc ça, ça n'a rien à voir avec les cours que je vais donner, parce que je vous avais annoncé que j'allais être prof. Mais je suis très content. Parce que le truc s'est très très bien passé, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et j'ai pu m'exprimer sur mon métier, sur plein de trucs de mon quotidien, etc. Je viens de me faire outgun vénère et je pense qu'il y aura un replay qui va sortir sur YouTube de cette conférence. Donc quand le replay sort, vous avez ma parole, je vous en parlerai, je vous le donnerai, il sera monté, etc. Il y avait plusieurs POV, tout ça et je pense que ça peut vous intéresser de m'écouter parler sur des sujets sérieux comme ça. Ok, c'est très très chaud là. Oula, ce qu'il a pris lui. Il a pris sale truc. Il y a eu mise de sale truc là. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Parce que je me demandais pourquoi tu m'avais abandonné de manière si abrupte. Moi je te laisse plein de mousse, tu fais plein de mousse. Hein. J'ai merde. Non. C'est vrai que c'est pas super opti de jouer avec plein de mousse sur le crâne. On va se le reconnaître. Quelle luisance incroyable. Tu sais que vraiment, genre, c'était le seul chez qui je vais raser mon crâne. De temps en temps, je le faisais un peu tout seul ou c'était ma femme qui le faisait. Mais c'est un réel plaisir de. Vraiment, la sensation de quand t'as le crâne rasé tout beau, tout propre, tout clean, c'est vraiment top 3 sensations sur cette terre. Je suis sérieux. Hop là, super. On est pas mal là. Oh, bâtard ! Il m'a cut ! Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Ça, c'est à cause du fait que j'ai pas de son là, j'entends pas les mecs derrière. Par contre, on est en train de gagner, ça, tu vois, c'est très très plaisant. Oh là, shoot d'alcoolique. Oh là 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 ! Mais tu sais que c'est agréable ça ! Petit double. Il y a quelqu'un juste là. Hop là, super. Ça va continuer à venir devant. Le petit double a mis bien là. Là, ils vont être devant à droite et devant à gauche là. Devant côté droit et devant côté gauche. Et au moins là, je chope du temps dans le point, vous voyez. C'est du temps d'escroc. Là, concrètement, là, c'est du temps d'escroquerie que je suis en train de proposer. C'est du temps pour les stats. Je suis en train de stat pad le temps dans le point. On teste. Ok. Merde ! Il y a une frappe ! Mais on est encore en train de gagner, hein. Effectivement. Est-ce qu'on va pouvoir proposer deux gameplay vainqueurs dans la même vidéo ? Super.
Quelqu'un d'autre qui va venir devant moi, je les connais. Regardez la connaissance de Call of Duty. Il y a quelqu'un devant moi dans un instant. Voilà! T'étais sûr? Quelqu'un d'autre. T'as vu, je me hype énorme. je brille un peu. Hop là, super. Série de 3. Let's go. Il m'a dit que j'éblouissais la cam, là. Vous voyez Krillin et les boules de cristal, là. Taille 4, super, petit drone, on envoie, ça va commencer à arriver derrière, donc là et à gauche, vous allez voir, regarde à gauche, ça va venir là, voilà, évident, série de 5, série de 6, série de 7, série de 8, le quadra gros, tu l'as vu, dis-moi que tu l'as vu putain, je me hype énorme, sérieux, let's go, et là je suis mort comme une merde. Ça y est, le crâne est rasé. Le crâne est rasé, baby. Vous croyez quoi? Ça va venir ici, devant moi. Voilà, et ça y est. Et là, maintenant, il n'y a plus de désavantages comme ça, là. Je suis au courant de tout ce qu'il se passe. On enchaîne. Ça enchaîne les kills. Ils sont en train de revenir, hein, mine de rien. Là, on n'a pas pu aller prendre le point alors qu'on avait la DAF, c'est dommage. Je suis fan de petites bites. La la la. J'en ai marre des R700. J'en ai marre des R700. C'est ma phobie, ce sniper. J'en peux plus, frère. Oh, dans toutes les games. Bon là on est en train d'enchaîner les points. Toi tu dégages. Oh le petit double. Oh le petit double de Zach. Le double énorme. Le double énorme. Ne soyons pas humbles pour rien. On teste, il y a quelqu'un juste là. Super, mort. Quelqu'un d'autre. Chien. Mais regarde gros. Ça c'est pas juste ça. Ça c'est du gameplay d'homme pas drôle ça. Lui il est pas drôle. Lui on l'invite pas en soirée lui. Ça m'a hit marqué. Il y a eu hit marqueur. Allez, faut go dans le point là parce qu'on est en train de perdre toute notre avance. Je suis en train de me ronger les doigts là. Je suis stressé du zeub là. Super, petit drone. Let's go. Ça va arriver dans notre dos. Vous allez voir, ils sont dans notre dos. Et devant. Regarde, on va l'attendre ici. J'en ai marre de ces snipers, putain. Il m'a mis un sale truc. Bon, cette game était un peu nulle à chier, hein, mais bon, il était 4 à la fin, mec. C'était un petit peu plus compliqué. Ouais, regarde, ça, c'était l'action. C'était l'action, l'action de la partie, l'action de la game. Et le quatrième juste derrière qui est venu prendre sa dose. C'est dommage. Bon, et ben voilà, les potes, c'était pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. 36-28, la deuxième game, c'est un peu moins bien passé. Mais j'étais avec des alliés qui étaient pas très, très, très forts. On va dire 4 secondes en faisant du 6-19. Ça a pas aidé. Je remercie Clem, mon frérot. Clem, si tu veux faire un petit coucou pour finir. Voilà, il vous fait un petit coucou. Le défi de Zach qui joue en se faisant raser le crâne a été réalisé. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le cas, petit pouce bleu et compagnie. Machin, machin. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.